Yo, salut à tous et à toutes, c'est Sam le Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Luigi's Mansion 3 et aujourd'hui c'est l'épisode 6 je crois. On attendra bientôt la dizaine d'épisodes. Bon, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Je savais pas en vrai comment commencer cette vidéo. Je pense que la prochaine fois on fera un peu de tour hanté. La tour hantée on l'a jamais encore testée. Il nous en a parlé dans le deuxième épisode je crois. Petite champêtre, voilà, studio de tournage, c'était là. Studio de tournage. Ça a l'air vraiment très sympa, moi je trouve. On a un petit hélicoptère. Il y a déjà une gemme. Eh, je l'ai trouvé, hein, la gemme. Vous voyez le petit truc violet là? Qu'est-ce que ça a fait? J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris leur putain de truc. What the fuck? Arrowhead. Ah putain, je viens de comprendre. Ah d'accord, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste what the fuck. Il y a juste ça qui nous bloquait le passage, on pouvait pas monter. Et genre là, on pourra se téléporter d'un endroit A à un endroit B. Oh fou Luigi, il ouvre une porte. Quelle tragédie, bouhouhou. Suis-je donc fini? Est-ce là tout ce que le destin m'a réservé? À moi, Oscar? J'étais pourtant le réalisateur le plus talentueux de ma génération. Moi qui avais un avenir si prometteur, comment ai-je pu perdre une chose si précieuse? Je ne suis qu'un réalisateur minable, un raté, voilà la réalité. Même l'éclat de ce bouton n'est plus que fadeur. Ah mon cher mégalophone rouge, où peux-tu bien être? Je donnerai tout pour pouvoir tenir à nouveau mon cher mégaphone. Mais c'est con, dommage on peut pas aller dans... Ah je pense qu'on les a pas activés les autres télés, c'est pour ça. Bon, sans que je le sache, en fait cet étage, c'était vraiment une énigme. Vraiment fourbe, fourbe, fourbe. Bon déjà, première salle, j'ai pas fait vraiment gaffe. On pouvait tout simplement mettre Luigi à la caméra. Il y avait pas mal d'objets qui servaient à rien. J'ai pu assister à un bug vraiment, vraiment chelou, hein. Ah ouais, non mais chaud le bug hein. J'ai visité toutes les salles donc je vais vous faire un résumé rapide. En gros on a la salle Moyen-Âge. En gros quand vous envoyez Luigi dessus c'est comme une sorte de mini-guerre. On a la première salle qui laisse apparaître une fontaine et du coup une forêt hantée. On a la troisième salle avec du feu. Et bizarrement vraiment le feu il est vraiment vraiment inoffensif. C'est comme la plante du dernier épisode. En fait dès que vous arrêtez de regarder dans la caméra en fait il s'est calmé. Tout est reconstruit hein. Vraiment c'est un feu vraiment super cool. Et enfin on a la quatrième salle, c'est la salle finale. C'est la salle où il y a un mégaphone et une araignée. Vraiment, j'ai pris pas mal de temps à comprendre comment ramener du feu ici. J'étais vraiment en mode what the fuck. J'ai fait vraiment n'importe quoi pendant beaucoup de temps là. J'ai essayé de prendre la tête du Yeti pour voir si ça allait cramer. Ou alors essayer de récolter les larmes du mec pour avoir de l'eau. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Mais au final, en fait, fallait juste lancer la gamelle dans une fontaine, interagir avec la fontaine quand du coup il y a la cinématique et puis vous aviez un truc rempli d'eau quoi. Ouais, j'ai vraiment eu très 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 le seum d'avoir perdu autant de temps sur ça, mais cependant j'ai réussi à avoir plein d'argent, capturer des fantômes et j'ai aussi eu des gemmes donc c'était rentable. Au final avec l'eau que j'avais dans le bol, je pouvais du coup aller arroser la plante dans la salle du Moyen-Âge. Ensuite la torche tombait carrément, ensuite la torche a été éteinte, du coup il fallait aller dans la ville en feu pour ensuite passer par la télé, pour ensuite aller dans le truc des araignées. Ensuite que Luigi joue la scène, et ensuite que Luigi brûle l'araignée et brûle le truc pour pouvoir récupérer le mégaphone. C'est franchement compliqué à expliquer là comme ça, mais vraiment j'ai galéré pendant des heures, vraiment. Il aime vraiment beaucoup son mégaphone, hein. Vous là, regardez un peu. Ne bougez plus. Je ne l'avais pas encore remarqué, mais votre visage a des traits intéressants. Et votre posture est pour le moins atypique. C'est plutôt prometteur. Je vais faire de vous une star, haha. Je sens ma créativité renaître de ses cendres. Commençons immédiatement le tournage. Mais où est passée mon équipe? Allez, tout le monde en place. Et action.
C'est un remake de Godzilla. Vas-y, dis-moi. C'est trop, hein. Oh mon dieu. Vous là, quand le 4G recrache sur vous, faut lui renvoyer. Allez. Putain, magnifique, continuez comme ça. Oh putain, d'avoir des boules de feu. Vas-y, je comprends rien, je comprends vraiment rien. Ah d'accord, j'ai trouvé tout seul. Cette fois les Luigi, c'était super simple. Allez! Et on va spammer la touche. Ah vraiment. Oh, voilà ce que j'appelle de l'art. Allez, c'est bon. Coupez! Il va nous donner le bouton maintenant. Il y a sûrement moyen d'avoir une autre gemme, mais je la trouve pas en fait. C'est à la réception qu'il y a une autre gemme. Heureusement que j'ai pris le détecto-gemme. Hein. C'est à la réception apparemment. On y est à la réception et je trouve rien. 1 hour later. Non. Putain, c'était ça depuis le début. Je pensais fouiller et taper plus souvent moi, hein, parce que ça m'a l'air d'être un truc qu'ils font souvent là, cacher les trucs sous les tapis. Bon, je pense qu'on va pouvoir aller dans l'ascenseur et on aura fait un bon épisode, je pense. Au final, on n'aura pas capturé beaucoup de fantômes, hein, mais bon, des fois c'est bien aussi les épisodes détente. La prochaine fois, on fera le 9, évidemment. Ah. Ouh. Un chat, cette fois-ci. Quoi? Il le laisse... Bon, il le laisse faire. Oh non, me dis pas que le prochain truc, ça va être de... Ah si, ça m'a l'air de... Non! Il casse les couilles, ce chat. Et il est passé par là. Oh là, oh, oh là, oh là! Ah putain. Oh, je m'en souviens. J'ai vu ça, genre. Ok, ok. Je peux, c'est bon. Ok. Oh non, il a plusieurs queues, du coup. C'est comme les chats normaux, ils ont plusieurs vies. Oh non. What? Oh putain, la poubelle. Oh, là, mange le ballon. Il m'a visé. Mange le ballon. Allez. Hop. En plus, il a un pouvoir incroyable. Hein. Genre, il peut faire disparaître les objets et il peut les rendre fous, genre. Faudrait pas se faire bouffer par ça. En tout cas, je sais qu'il est allé à l'étage en dessous. Oh non, encore. Malheureusement, je suis désolé les gens, mais bon, on va devoir arrêter ici, hein. On peut malheureusement pas faire grand-chose pour l'instant, hein. On a fini avec un chat qui nous a carrément volé un bouton d'ascenseur. Comme quoi, faut toujours préférer les chiens que les chats. Si vous aviez des doutes comme quoi les chats, c'était vraiment des êtres diaboliques,
Et bah là, le chat qui vient de nous voler le bouton, bah, c'est un parfait exemple. Je pense sur ce, du coup, qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos qui pourraient sortir. La prochaine vidéo, je pense qu'on chassera le chat. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. C'était Sam le Gamer. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Luigi's Mansion 3 complètement folle. Bye !